Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo tuto. Alors tuto sur quoi? Alors tuto sur l'excavateur tout simplement. Alors on a beaucoup vu de vidéos, notamment celle de la marque Zomed hein, qui est fait donc son tuto excavateur avec des ballons. Moi je vais la faire avec des choses différentes parce que je vais vous apprendre à faire justement des piliers. Donc des piliers en excavateur. D'autres vidéos suivront, notamment pour faire des murs en excavateur, des tunnels en excavateur. Donc là pour l'instant ça va être donc un petit tuto donc tout simplement sur les pylônes. Donc les pylônes c'est super simple à faire. On n'y pense pas forcément, mais ça peut nous permettre de soutenir des plateformes, soutenir des cachettes également, de faire diverses choses, de surélever diverses choses, voire même de stabiliser certaines choses également, que par exemple si vous avez une cachette un peu bancale, vous pouvez vous permettre de faire un petit pylône pour la surélever, vous pouvez même faire des doubles cachettes, une cachette en résine que vous achetez et des pylônes pour la surélever, ce qui fait que le gecko il peut passer facilement dessous, enfin du moins pour moi, pour le gecko léopard ça passe en dessous. Après donc au niveau de l'excavateur, ce que je déconseille quand même c'est de faire ce type d'installation sur des reptiles qui ont tendance à creuser, notamment je pars du principe sur le Pogona viticeps, parce que le souci qu'il y a c'est que s'il gratte le pylône s'écroule et l'animal peut se blesser. Faut renforcer, donc pour le Pogona viticeps et autres reptiles fouisseurs, faut plutôt renforcer avec des briquettes. Donc je vous montrerai plus tard une installation faite en briquettes à la fin des tutos, et je vous montrerai également mes installations gecko avec des murs et donc des pylônes. Donc aujourd'hui pour faire les pylônes, on a besoin d'ailleurs d'excavateurs un peu humidifiés. Donc là je l'ai humidifié avec de l'eau hein, bien sûr. Alors faut que ce soit un peu plus humidifié que la normale. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement c'est parce que il faut que ça puisse couler dans là où on va mouler le pylône. Alors pour mouler le pylône, il y a plusieurs techniques et il y a plusieurs types de pylônes. Alors il y a tout simplement la technique au rouleau de PQ tout simple hein. Il y a le rouleau de sopalin qui est beaucoup plus grand, qui vous permet de faire des constructions plus grandes si vous avez un terrarium assez haut, par exemple un terrarium de 60 cm, parce qu'un 45 ça fera carrément pas monter au plafond, mais vous aurez très peu de marge après pour l'animal passe au-dessus, et avec les éclairages et tout ça va être un peu galère. Donc je conseille celui-là pour du 45, et celui-là si vous voulez mettre sur du 60, vous pouvez faire également les deux, il y a toujours moyen de bricoler quelque chose, faire des plateformes de travers c'est possible. Donc voilà, et l'autre technique donc ce sera avec des gobelets, donc pour ça il nous faut deux gobelets. Voilà. Ensuite, il nous faut donc la paire de ciseaux pour les gobelets, bien sûr. Une petite cuillère ou une grande cuillère, hein, les deux feront l'affaire. Moi, j'ai choisi petit. Alors là, pour aujourd'hui, normalement, bon, c'est en terrarium qu'on le fait, bien sûr. Hein. Mais moi, je vais vous montrer ça à partir d'un petit bac. Alors, j'ai déjà mis de l'excavateur dedans parce qu'il faut qu'une partie de l'excavateur soit déjà mise en place pour faire du substrat qui est solide. Il faudra juste l'humidifier un petit peu pour que les pylônes puissent bien s'ancrer avec le reste de l'excavateur. Et ça fera nickel, parce que si on ne crée pas de soudure entre le pylône et l'excavateur qui est en substrat, le souci qu'il y a, c'est que le pylône va devenir pas bancal, mais il n'y aura pas de solidité en fait. L'animal, s'il va bouger votre pylône, il peut carrément défaire toute votre installation et faire tout s'écrouler. Voilà, donc vaut mieux jouer à la sécurité. Donc il y aura juste à tout simplement humidifier donc la partie substrat. Donc dès que vous mettez le substrat dans votre terrarium, vous mettez donc le substrat à la base, bien humidifié, vous le laissez sécher, donc avec pour du gecko léopard ou autre, vous avez pour le laisser sécher donc l'air libre, donc vous ouvrez bien les portes. Après vous mettez un tapis chauffant suivant l'animal que c'est ou une lampe chauffante. Hein. Donc ça va permettre de bien donc sécher le substrat. Une fois que c'est sec, il y aura juste à le garder et à bien sûr se servir après de le réhumidifier avec un peu d'eau. Hein. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai tout mis en place. Je vais donc humidifier un peu mon excavateur et puis je vais vous montrer comment on fait. On se retrouve donc pour la suite. Alors vous voyez que là j'ai mis mon gros bac d'excavateur bien humidifié hein. Et de l'autre côté donc l'excavateur que j'ai réhumidifié donc qui était devenu sec, je l'ai réhumidifié donc pour faire les fixations entre le pylône et donc le substrat. Donc plusieurs façons de faire, donc comme j'ai dit, donc avec le rond de papier toilette déjà d'une part, hein, donc le plus simple. Ensuite le rond de sopalin, donc en carton bien sûr, hein, donc très facile aussi simple que l'autre, mais un peu plus long. Donc le temps de séchage sera beaucoup plus long. Et après donc avec les deux gobelets. Donc voilà les deux gobelets. Alors pourquoi deux et pas un? Simplement c'est parce que j'ai une bonne technique que j'ai utilisée lors de mes derniers pylônes, qui avait plutôt pas trop mal marché. Alors cette technique elle est toute simple. Il faut d'abord en fait couper donc le fond du gobelet
Donc pour rendre cette partie donc du gobelet à l'air libre, tout simplement, l'excavateur, donc le gobelet sera posé de cette façon, l'excavateur sera versé dedans et l'autre gobelet sera mis par-dessus justement pour solidifier le premier gobelet. Voilà, c'est juste tout simplement pour ça. Donc la technique est aussi bonne que l'autre. Le seul souci du gobelet, c'est comme vous pouvez le voir d'ailleurs, vous avez une base qui sera vraiment très large et très haute et très grosse surtout. Le pylône sera moins long qu'avec un rond de papier toilette bien sûr, et surtout le haut du pylône sera d'une petite base. Donc si vous voulez maintenir par exemple des grosses cachettes en résine, je vous conseille pas d'utiliser celui-là. Et même si la base est vraiment très forte, vous pouvez commencer sur une base de gobelet et finir donc sur du rond de papier toilette pour que ce soit un peu plus solide, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc là déjà je vais vous montrer donc avec le premier qu'on va mettre en place, donc le rond de papier toilette, hein. Donc je pense pas que je vous ferai celui sur le rond de sopalin parce que c'est exactement la même chose, ou à la limite je le ferai hors caméra et je vous montrerai donc le rendu, hein, tout simplement. Donc là donc on prend donc l'excavateur, donc vous voyez c'est l'excavateur qui est bien humide, hein, y a pas de souci. Donc l'excavateur, donc là on maintient bien donc le rond de papier toilette et on verse tout simplement l'excavateur. Alors s'il y en a à côté, c'est pas bien grave, hein, je vous rassure, lors de la construction, l'animal qui va prendre possession des lieux, il va pas regarder la finition et vous faire un procès parce que le devis est mal fait, hein. Donc voilà, ça ferait d'ailleurs un côté naturel, on va dire, de la chose. Donc là il suffit de bien verser. Alors pourquoi prendre une cuillère? Tout simplement pour tasser un petit peu, parce que l'eau en fait va vous créer des boursouflures. Alors faut bien aussi appuyer également pour faire en sorte que le carton, comme il va s'humidifier, n'éclate pas, tout simplement. Donc voilà, donc là on peut en rajouter un petit peu, de toute façon ça va se tasser. S'il y en a qui coule, je vous dis c'est pas bien grave non plus, hein, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça il n'y a plus qu'à laisser sécher, parce que ça s'est bien tassé, on peut le voir dedans. On peut appuyer également sur les côtés comme je suis en train de le faire, hein. Ça permet de tasser ce qu'il y a encore à l'intérieur. Donc ça va sécher et le pylône donc sera opérationnel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien humidifier la partie. Donc là vous voyez bien, donc là c'est encore humide. Donc ça c'est les parties qui ont coulé d'en haut. Mais au final, en bas, ce sera pareil. Donc avec l'excavateur humidifié qu'on a en substrat, plus l'excavateur humidifié qu'on a dans le pylône, ça devrait faire une jointure. Donc et la jointure fait que le pylône va tenir. Il n'y a pas à s'inquiéter. Donc voilà. Après, donc il y a la deuxième méthode au gobelet. Donc alors pour ça, bon, là j'ai les mains un peu cradingues, on va dire, donc ça va pas être du tip top non plus. Mais on va le faire quand même. Donc celui-là, on peut le mettre de côté. On prend sa paire de ciseaux, tout simplement, et on fait un trou si le gobelet veut bien. Voilà, on fait un trou là et on enlève. Alors si c'est pas un trou fait nickel, c'est pas bien grave, hein. c'est pas obligé d'être bien droit, c'est juste pour avoir une base de coulage, en fait, tout simplement pour l'excavateur. Donc voilà, là vous avez votre gobelet. Alors vous voyez, le gobelet se déplace énormément facilement, donc faudra bien le maintenir au niveau de sa base, comme je le fais là. On le maintient bien au niveau de sa base. On reprend donc de l'excavateur, tout simplement. Alors je dis excavateur parce que bon, c'est la marque la plus connue, hein, voilà. Mais il y a quand même d'autres marques qui font du sable du même modèle, hein. Il me semble que Trixie en fait, ou un truc comme ça. Donc je connais pas toutes les marques. Moi j'utilise, quand j'ai une marque, j'utilise celle que j'ai jusqu'au bout. Donc voilà, donc bien maintenir le gobelet, hein, bien sûr. Hop, pour éviter justement qu'il se rehausse. Donc pareil, hein, pareil que pour l'autre, hein, on remplit. Vous voyez, il tente de soulever par moment, donc je l'ai bien maintenu, comme ça il ne soulève pas. Faut essayer de mettre. Quand on est sur la fin, il n'y a pas besoin de mettre de l'excavateur hyper mouillé, hein, juste le plus solide, et puis voilà. Ah, puis il a encore tenté de se soulever. À chaque fois que vous allez le remettre, en fait, il va tenter de se soulever des deux côtés. Donc bon, faut bien le maintenir. Voilà, donc ça vous donne un pylône. Donc là il y en a plein à côté, ça tombe bien, ça maintient bien, c'est parfait. Et l'autre gobelet, tout simplement, on le remet par dessus et voilà, comme ça ça maintient bien donc le gobelet, ça fait en sorte que l'excavateur soit bien maintenu dedans. Donc là j'ai pas besoin de tasser, bizarrement, donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, donc on reste bien appuyé quand même parce qu'on voit qu'il soulève un petit peu sur le côté. Bon, je vais pas rester non plus en s'étant comme ça, je vous rassure. Donc voilà. Donc on voit déjà aussi celui en carton derrière qui est en train de tout simplement de s'humidifier.
Donc une fois séché, le carton va sécher aussi également. Donc après, ce sera très très simple de le retirer. Il y aura juste à défaire une petite bandelette et ça ira très bien. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai pas la place pour vous montrer le système avec le celui en commerce. Celui pour le sopalin, mais c'est le même système que celui qu'on trouve ici. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est exactement le même système. Après, un petit truc aussi, une petite astuce. Si vous voyez que votre gobelet a tendance à remonter comme là il fait, vous prenez tout simplement un pot de fleurs et vous le maintenez. Voilà, tout simplement. Le poids du pot de fleurs va faire en sorte qu'il ne va pas se soulever. Tout simplement. Après, vous pouvez mettre des trucs dans le pot de fleurs. Donc là, j'ai pris le premier qui venait, parce que j'en ai plein partout. Donc voilà. Donc ça vous permet de faire des pylônes. Après, à savoir aussi, c'est quand vous faites les pylônes, il faut bien trouver les bonnes zones où les mettre. Les bons espacements et tout, suivant ce que vous voulez y mettre. Si vous voulez y mettre une plateforme, si vous voulez y mettre, une cachette dessus ou autre chose. Ou même des rondins de liège. Hein. Il faut bien que ça maintienne, il faut bien savoir les poser. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter pour me les demander. Moi, je suis voir l'installation, je verrai. Parce que en excavateur, donc je construis donc des pylônes, je construis également des murs, je construis des tunnels et je construis également des grosses cachettes pour notamment celle que j'ai fait pour ma pogona viticeps, qui est vraiment énorme, donc fait avec des briquettes et des planches de bois. Donc je sais faire un peu de tout là-dessus. Donc ça, c'était pour la partie pylône. Donc je vous montrerai le rendu donc qui sera fait d'ici quelques jours, parce que là il faut le temps que ça sèche. Alors pour le faire sécher, donc notamment la lampe chauffante ou également un tapis chauffant fera l'affaire. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors à savoir aussi que l'excavateur, si vous voulez englober certaines matières, notamment pour faire des, comme on le verra pour les tunnels, il y a certaines matières qui n'adhèrent pas avec l'excavateur, notamment le bambou. Et donc le plastique, comme là le plastique est gobelet, si je mettais un gobelet et que je l'entourais d'excavateur, ça finirait par se barrer. Donc j'ai vu ça également pour avec certaines cachettes, notamment celle qu'il y a dans le terrarium à côté, que je vais vous montrer plus en détail en bonus de la vidéo. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à sécher, puis je vous montrerai le rendu une fois que ce sera sec. On se retrouve donc pour la fin de cette petite vidéo, donc sur les tutos donc des pylônes en excavateur. Donc là comme on peut le voir, on va éviter que ça tombe. Voilà, donc là les pylônes sont faits mais encore avec leur protection. Donc pylône avec le gobelet, pylône fait avec le rond de papier toilette en carton tout simplement. Donc ça peut être fait aussi, il sera plus grand si c'est avec le rond en sopalin comme on voit ici. Hein. Donc pour donner une idée de l'ordre de taille, il y a une très grosse différence. Hein. Donc après ça c'est plus pour du gros terrain comme je disais, ou si vous voulez vraiment faire des trucs en hauteur, bon, ça donne plein de possibilités après les pylônes. Hein. Il faut qu'on ait les surfaces à mettre au-dessus. Donc juste après vous avoir montré ces pylônes là, des faits, je vous montrerai les pylônes comme moi je les ai fait dans les terrariums de mes geckos léopards. Voilà, je vous montrerai en plus une petite partie donc de la cachette que j'ai fait avec la pogona, qui est totalement différent parce que j'ai pas utilisé des pylônes en excavateur, mais j'ai utilisé l'excavateur pour scinder un peu mes pylônes pour faire en sorte que ça soit bien plus solide. Voilà, donc déjà là on va commencer à démouler, donc faut y aller vraiment doucement. Alors ça c'est vrai que c'est un peu embêtant avec la partie donc en gobelet bien sûr qui veut pas se retirer. Voilà, donc faut péter le gobelet limite. Hein. Voilà. Hop. Donc là j'ai une partie d'enlever. Alors à savoir que la partie là elle est bien scindée avec l'excavateur, donc je fais un peu galérer je pense. Mais bon. Après à la limite rien ne m'empêche aussi de la couper. Hein. Voilà. Là c'est coupé. Voilà, c'est défait. Tout simplement. Voilà, hop. Donc ça, on le met dans l'autre gobelet. Même si ça salit le bureau, c'est pas bien grave. Donc on voit bien le pylône qui est fait. Hein. Les bordures qui étaient faites autour du gobelet se retirent facilement. On peut facilement les retirer et les utiliser après plus tard. Donc voilà. Ça donne du beau pylône avec une belle base bien forte. Mais par contre, là au niveau de la hauteur, ça pas soutenir grand chose, enfin ça peut soutenir pas mal de choses, mais le souci qu'il y a c'est qu'on perd en termes de volume au niveau du pylône en hauteur. Donc si vous voulez mettre des plateformes, soit elles sont bien larges, faut pas que ce soit vraiment, faut que ça puisse bien reposer. Après ça dépend ce que vous faites avec, donc mais voilà, c'est une technique pour faire un type de pylône. Après on a l'autre pylône, donc tout simplement hein. Donc là on éclate un petit peu pour essayer, regardez sur les, on le verra peut-être plus sur l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir là il y a des sortes de spirales, donc là je vais vous montrer là dessus voilà, des spirales qu'on peut défaire. Voilà, donc on peut le défaire
beaucoup plus largement. Donc après on peut le craquer comme ça aussi, mais il y a des spirales, donc normalement quand c'est un peu humidifié encore, on peut encore le retirer avec les spirales. Donc là l'idéal c'est de retrouver la spirale, donc et bien sûr là où il y a le plus d'excavateurs, hein. Ça m'aurait étonné. Voilà. Au final, craquer aussi sur la hauteur, c'est pas plus mal non plus. Il y a plusieurs techniques pour le retirer. Voilà. Après, il y a juste à démouler, hein, tout simplement, hein, comme si on faisait un gâteau. Donc là, ça va se faire en plusieurs fois parce que le carton était un peu plus solide que ceux que j'ai utilisés la dernière fois. Ouais. J'ai voulu mettre un peu plus de solidité pour cette vidéo. Il aura peut-être pas dû. Non, vaut mieux que ce soit un peu plus solide que prévu. Alors, voilà, donc... Là, c'est qu'ils ont bien séché, parce que ça fait quand même plusieurs jours que je les laisse sécher depuis l'intro de cette vidéo. Donc, vous voyez bien que faut bien maintenir le pylône sur la hauteur pour éviter justement que le carton, en le retirant, pète votre pylône. Là, on voit qu'il y a certaines parties qui s'enlèvent. Alors, c'est pas inquiétant pour le pylône. À la limite, je trouve même que ça donne un côté un peu plus naturel, un peu style vieux pylône égyptien. C'est, enfin, sans les hiéroglyphes bien sûr, mais dans l'idée c'est ça quoi. Donc voilà, il y a juste à retirer encore un petit bout de carton. Alors à la base c'est toujours le plus chiant à retirer, parce qu'à savoir que la base c'est là où il y a le plus d'excavateurs qui a coulé sur les côtés, donc c'est pas forcément évident à retirer. Mais bon, on va quand même retirer le plus possible. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai une partie du carton qui bien sûr s'est bloquée dans un coin d'excavateur. Voilà, tout est retiré. Ça on va l'enlever. Voilà, donc pour vous montrer donc la différence de pylône, hein. Un avec une base un peu plus solide et moins haut, l'autre plus haut mais la même surface surtout. Donc voilà, donc ça c'est tout simplement des pylônes faits en excavateur. Ils ne bougeront pas avec le temps. Alors ça va pas mettre dans les terrains tropicaux, parce que le souci qu'il y a c'est que bah, avec l'humidité ça va se barrer. Là c'est assez solide, donc vous pouvez le faire pour supporter des cachettes en résine, des pontons de bois, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, ça prend moi je l'ai fait, entre l'intro et la conclusion de la vidéo là j'ai fait peut-être 2-3 jours seulement, parce que j'ai eu du boulot. Mais voilà, c'est sinon en une journée c'est plié, hein. Voilà, vous mettez un tapis chauffant en dessous, vous le laissez chauffer limite H24 pendant un ou deux jours, et puis un deux jours maxi, le deuxième jour c'est si vous voulez vraiment être sûr. Et c'est du solide, hein. On voit bien que c'est bien du compacté. Alors sur celui fait avec le gobelet, il part un peu plus humide encore. C'est normal, c'est parce que le plastique en fait retient l'humidité. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait j'avais un gobelet par dessus et l'humidité s'évapore par le haut, et donc ça s'est évaporé dans le deuxième gobelet. Voilà, normalement ça tombe entre les deux gobelets, mais là ça devait être un peu trop serré, mais ça gêne rien, hein. il peut être utilisé tout de suite et sécher encore un petit peu sur le long terme. Il le fera de lui-même, hein. Si c'est pour du gecko léopard ou un autre animal de type désertique, il n'y a pas de problème, il va finir par sécher, il n'y aura pas de problème. Il va sécher avec l'air ambiant et le tapis chauffant de la chaleur. Voilà, donc ça c'était pour les pylônes. Donc là bah on va se quitter en conclusion, donc en vous montrant donc les divers pylônes que j'ai fait dans mes terrariums. Et on se retrouve pour le tuto numéro 2, donc d'ici quelques semaines, sur un tuto un peu différent, parce que ça reste sur l'excavateur, mais ce sera fait en terrarium cette fois-ci. Ce sera fait pour les murs en excavateur. Voilà, à bientôt.